de Veolia et Veolia et ses drôles de dames. Avec Elle Bouge, c'est construit autour de la volonté de partager auprès d'une vingtaine de lycéennes notre expérience à deux niveaux. Le premier, les réalisations innovantes que nous avons mises en œuvre, et notamment le cerveau, qui est le centre de pilotage intelligent du service de l'eau en Ile-de-France. Et puis, à un deuxième niveau, nos métiers de développeuse, du UX-designer, de product owner, en présentant nos parcours, nos choix, nos motivations et nos sources de joie à faire ces métiers. Nous avons également demandé aux jeunes femmes de réaliser elles-mêmes par groupe une application mobile en mode start-up. Marketer, designer, pitcher, développer leur projet devant un jury. Parce que la théorie, c'est bien, mais nous pensons aussi que faire et s'approprier des métiers le temps de quelques heures peut susciter la curiosité et éveiller, susciter l'envie et éveiller la curiosité. Nous avons voulu faire passer le message suivant aux lycéennes. Écoutez vos envies et sentez-vous libre d'exercer le métier de votre choix. Digital, intelligence artificielle, robotisation, le monde de demain est en train de s'écrire et les femmes doivent en faire partie, c'est vital. On sait par exemple qu'un manque de femmes dans l'intelligence artificielle accroît le risque de biais sexistes. Il est donc important pour Veolia et l'ensemble des organisations de chercher à attirer les femmes dans ces secteurs scientifiques et numériques. Ces femmes qui, pour la plupart, ne connaissent pas ces métiers, soit parce qu'ils sont difficilement accessibles en termes de connaissances, soit parce qu'ils n'existent pas encore. Merci à l'association Elle Bouge pour sa confiance. Cette journée passée avec les lycéennes a également été, pour Veolia et ses drôles de dames, une vraie source d'inspiration. J'invite toute l'équipe qui a participé, qui a animé cette journée à me rejoindre. Ha ha ha.